C'est la commune de Foulain, également dans la Haute-Marne, qui elle aussi n'a pas eu tenu de réponse positive On ne de peut pas l'endroit. généraliser, Donc il y a c'est vrai. vraiment, On ne peut pas oui, mais il y a vraiment généraliser, des questions. monsieur, c'est pas Pourquoi y a-t-il possible. des communes qui ont Nous, on reçu était des complètement refus? transparents. Ben, voilà. Complètement Alors si on parle transparents. de Mais je voulais transparence, aborder si les on parle problèmes de de déchets transparence, après. parlons-en des transparences. Hein. On ne sait toujours pas, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait toujours pas le nombre de communes dans les départements, c'est l'exemple de la On Haute-Marne sera au mois de encore, janvier. le nombre de communes qui ont été ciblées. On ne sait toujours pas aujourd'hui le nombre, et c'est pas faute de le demander, le nombre de communes qui sont candidates aujourd'hui. Enfin, au niveau de la transparence, au niveau des documents. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement choquant au niveau du citoyen. On parle de transparence. Comment se fait-il que les municipalités aient reçu le fameux document de l'ANDRA? Le voici, hein, tous les maires l'ont reçu. Il y a une information, alors il faut l'éplucher, c'est très intéressant, hein, une opportunité. Il n'y a pas du tout d'histoire de problème, de risque ou autre. Une opportunité pour votre territoire, on l'a entendu monsieur le maire tout à l'heure, c'est ça qui l'intéresse et beaucoup d'autres. Par contre, on n'a absolument pas dit aux communes que vous avez aussi d'autres, et ça c'est des rapports scientifiques, c'est pas du tout des antinucléaires, ce sont des institutionnels qui disent quasiment le contraire de ce qui est écrit dans le document de l'ANDRA. Quand l'ANDRA vous parle de milliers d'années, ici on va parler de C'est quoi ces dizaines et de. organismes? Commission nationale d'évaluation, CNE, qui a édité un rapport, Vous reconnaissez sa validité? et ASN, heureusement, Bien et ASN, évidemment. Autorité de sûreté nucléaire. Et il faut les lire. Et là, les municipalités qui vont lire ces rapports-là vont se rendre compte que ce qui est marqué dans le rapport de l'ANDRA, ce n'est pas du tout ce qu'on leur dit. Bertrand Oui, Courault, enfin. vous êtes maire de Oui. Sainte-Menou, vous avez hésité, finalement vous vous portez candidat. On est candidat. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter? Pourquoi vous vous décidez finalement? Alors, on est candidat effectivement à la candidature. Ça signifie quoi? En tant qu'élu, parce qu'on n'est pas scientifique, je crois qu'on doit avoir un comportement qui est en gros celui-ci. D'abord, en tant que citoyen, se poser la question effectivement de fond, du devenir et du traitement de ces déchets que nous devons assumer parce que ce sont nos déchets, ce sont les déchets de 40 années d'activité nucléaire. Il faut donc, en tant que citoyen, se poser la question, en tant que citoyen responsable de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on doit faire pour traiter ces déchets. Et puis deuxièmement, quand on est élu et que des opportunités se présentent, nous devons les étudier. Les étudier ne signifie pas forcément dire oui ou non d'emblée, ça signifie qu'on s'oblige à ouvrir un dossier. En étant candidat à la candidature, ça veut dire qu'on rentre dans un processus d'information et de concertation pour Que vous n'auriez permettre pas eu autrement. que nous n'aurions pas eu autrement, et nous aurions pu être tentés de dire non d'emblée, peut-être en passant à côté de quelque chose. En engageant ce processus, ça signifie qu'on va pouvoir entendre à la fois les scientifiques de l'ANDRA, ceux qui sont porteurs du projet, ceux qui sont éventuellement contre, pour qu'à la fin, nous puissions faire notre analyse du risque et prendre la décision la plus motivée possible. Alors les 3 400 Alors, communes qui ont dit non sont des imbéciles? non, ce Non, pas. excusez-moi, Non, je crois qu'on peut parler librement sans pour autant faire non. preuve Non, d'agressivité. mais Je on vais peut se jusqu'au répondre bout. Oui, directement aussi, mais c'est effectivement. vrai qu'il y Oui, a tout à eu fait. 3 000, plus de 3 000 Non. communes qui ont été contactées et il n'y en a qu'une trentaine Tout à à fait. peine qui Alors, ont répondu c'est favorablement. regrettable. Donc c'est quand Alors, même très peu. je vais répondre à la question. Ce que Je dit vais Monsieur Courault. répondre à la question que pose monsieur. Le fait que des communes aient dit non d'emblée signifie peut-être que effectivement elles ont une appréhension de départ et qu'elles n'ont pas voulu aller plus loin et se poser des questions parce qu'effectivement sur ce sujet où il y a des peurs et où vous notamment vous agitez la peur, ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas eu le J'agite pas la courage, peur. ils n'ont pas eu le courage de s'obliger à étudier ce dossier. On Donc leur dira qu'ils n'ont pas tué leur dossier. ne dites pas que ceux. Notez, messieurs les maires des communes, qu'on dit non, vous Non, n'avez vous pas pouvez pas étudié le polémiquer dossier. comme ça, monsieur Véry. Mais si je le prends comme ça, attendez, Non, mais mais nous non, ne sommes je pas des pense que scientifiques pas du tout, et je pas du crois tout, pas pas du d'ailleurs que tout. vous soyez vous-même des scientifiques. Nous ne sommes pas des scientifiques et nous n'avons pas de certitude sur ce dossier. Alors appliquez le En tant principe de qu'élu, précaution, cher monsieur. oui, eh ben justement, Ça veut dire quoi? vous l'avez Ben, dit ça tout à veut l'heure, dire ça veut dire attendre, qu'on a ne des pas dire déchets, oui monsieur comme Guéret. ça. Ça veut dire qu'on a des déchets, faut les laisser où ils sont. Ça veut dire que quand vous faites une radiographie, monsieur, que Ouais, vous faites un recommencez scanner, pas que vous faites comme un certain monsieur nombre de choses, Benoît faut apparu, surtout. attendez, mélangeant Où sont plateau. actuellement les déchets? Où sont Francis Chassagne? Francis Chassagne, où sont les déchets actuellement? Les déchets dont on parle sont essentiellement viennent de l'industrie nucléaire de première génération qui est arrêtée et donc qui se situe sur les sites de Chinon, de Saint-Laurent, donc sur la Loire, de Bugey dans l'Ain et également au CEA. Et pour les déchets radifères, ils se situent dans l'industrie, on va dire, chimique, en particulier sur le site de Rhône-Poulenc, Rhodia, La Rochelle.
Ils y sont depuis 20 ans, ils y sont depuis 20 ans, ils y sont bien, ils sont surveillés par des ingénieurs compétents, qu'on les laisse, mais qu'on continue, tout à fait. Que des enfouis dans l'argile. Tout à fait, les mettre à 200 mètres ne sachant pas ce qu'ils vont devenir. Monsieur Patrice Torres lui-même a expliqué encore hier sur France 3 qu'il savait déjà que les produits radioactifs passeraient à travers l'acier, à travers le béton, on ne sait pas quand, et à ce moment-là, on espère qu'ils ne passeront pas à travers les 35 ou 80 mètres d'argile. Et après, ils vont remonter à la surface. Ce sera la fin de l'humanité, c'est tout. Si ce n'est pas déjà fait d'ici là. Non, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Courreau quand même. En disant, on faisait un acte de candidature, on a accès au dossier. Moi, j'ai pris une position complètement inverse. J'ai dit, je n'en veux pas, ni ici, ni ailleurs. J'ai également accès au dossier. Non, j'ai reçu le dossier. J'ai reçu le dossier de l'Andra. Constitutif d'un dossier de fond. J'ai reçu le dossier de l'Andra et j'ai même peut-être plus d'informations.